For so long, I was living my life. Oh, so wrong. Always numb in my mind. Battled on, building scars from the knife. So far gone, I was blind. So now that I found what I was looking for. Hello ma famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Et donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes sisters. Donc aujourd'hui, on va faire un rangement dans la chambre des enfants. Donc je vous avais parlé, ça fait un moment que je voulais mettre un peu des rangements, des jouets dans la chambre des enfants. Donc ça y est. Et donc j'étais chez Ikea, donc j'avais pris les meubles de rangement. Donc papa va me monter ça tout à l'heure. Là, ensuite, il va venir me monter les meubles. Donc je vous montre ça. Comme ça, vous allez voir. Donc là, voilà les meubles, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux, vous allez voir quand on va monter ça, comment ça sera. Donc du coup, là, je vais laisser papa faire son travail, il a déjà pris sa boîte à outils. Comme ça, il va me monter ses meubles, on va le mettre ici sur ce mur-là. Là, voilà, donc vous verrez. Là, on vient de poser les meubles, comme vous pouvez voir, donc j'en ai pris un comme ça. Et puis le deuxième, donc sur le mur, j'avais pris ces deux, je ne sais pas si c'est plateau ou tableau ou comment, vous voyez là, c'est pour poser les livres. Donc, je vais poser les deux pour le moment, comme ça. On va le mettre sur le mur. Donc, voilà. Alors là, mes sisters, on a fini le rangement, tous les cadres des enfants, les jouets. Excusez-moi pour ma voix... c'est pas trop ça vraiment, j'ai mal à la gorge. Et donc du coup là, on a tout rangé avec papa. C'est pour ça que je ne vous ai pas filmé comment on a rangé. On a fait tous les deux. Voilà, donc là, on a... Et donc là, voilà le soir, on a tout rangé. On s'est motivé avec papa. On a mis quelques livres ici pour les enfants. On a voulu coller les deux comme ça parce que je trouvais que c'était un peu petit. Voilà, donc là, c'est comme ça. On a fait. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc là on est sorti un peu avec les enfants et ils sont en train de jouer. On est chez Aïssot. En tout cas, je suis vraiment cassée. Bon, on avait promis aux enfants de les ramener ici. Les mardis, souvent Aïssot, ils ont un forfait familial de 40 dollars, ça nous arrange. Je les avais promis, souvent on essaie de faire ça au moins une ou deux fois dans les mois, de les ramener ici chez Aïssot. Comme ça ils vont jouer. Donc vu que c'est l'école demain, donc du coup là ils vont jouer. Ensuite on va prendre la pizza ici, on va manger, on arrive à la maison là, ils vont juste se laver et après dodo. Voilà, donc avant de venir on a fait les devoirs avec les enfants, voilà. Et ils n'ont pas pris la douche parce qu'ils sont là, ils vont sauter. Donc une fois qu'on va rentrer, ça va, ils vont se laver à la maison. Et donc du coup, moi je joue pas, j'ai froid et donc du coup, je les assiste. C'est papa qui est en train de gérer l'affaire. Moi je suis assis ici sur mon fauteuil là, vous voyez mon fauteuil là. Donc voilà, donc moi je suis assis ici tranquille et puis eux ils sont en train de sauter au... Voilà, voilà, et demain tout le monde se lève et c'est le départ. Voilà un peu, je vais vous dire. Allez voir qu'ils sont en train de jouer là-bas. On va filmer les autres, mais vraiment ça se passe un peu comme ça, il y a tout ce qu'il faut envoyer. Les gens jouent au basket comme ça. Dan, il est là-bas. Bon, j'évite de prendre, de tourner la caméra de l'autre côté parce qu'il y a des gens. Non, mon petit, il est là. Il joue bien. Comme ça, il saute. Comme ça, on va rentrer. Hé, hey, Nolan!
Bon, là, nous. Là, je me dirige, je vais aller passer la commande pour la pizza. Hey, j'avais zoomé l'image, regarde comment il me fait. Je vais aller commander la pizza, ensuite ils vont manger. Voilà, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Après le boulot, maison. Voilà, donc là maintenant, j'essaie de ranger les affaires des enfants pour l'école déjà avant de sortir et les lunchs. Ensuite, comme ça, quand on va rentrer à la maison, ben, eux, ils vont juste prendre leur douche et puis ça sera fait. On va commander la pizza. On va prendre notre petit déjeuner. J'avais trop envie de faire plaisir à la famille, de manger. Voilà ce que... Nolan, arrête, arrête. Hey, Seigneur. Nolan, il est impatient. Voilà mon bol, mes sisters. Tu présentes ta salade comme ça. Hey. Nolan, s'il te plaît, arrête. Tu présentes ta salade. C'est la salade d'avocat, tomates cerises, bacon, salade verte, ensuite des croutons. Voilà. Et là, on a mis les jus, le yogourt pour les enfants. On a fait des pancakes. Voilà, mes enfants, ils adorent du bacon. Donc, j'en ai pas trop mis parce que j'en ai déjà mis dans la salade. Voilà, avec des fruits, un omelette, les croissants. On va manger au Joy. Ah, voilà. Je profite par cette occasion de souhaiter bonne fête de père à tous les papas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce, la paix, la joie de Dieu soient votre partage, surtout la santé. Merci pour tous les papas, que Dieu vous bénisse. Bon, la vie de maman, vous connaissez, hein. Je dois nettoyer tout ça. Ça, c'est mes cartons d'hier soir, là. Donc, les garçons vont aller les jeter dans la poubelle. Aussi, j'ai déjà inauguré mes poils, mes sisters. Je vous assure que... Oh, regardez, j'ai préparé avec, mais regardez comment c'est. Là, on va nettoyer tout à l'heure. Donc, je peux vous dire que tout est top. Bon, après, on va nettoyer la cuisine. Vous voyez, hein? C'est pas encore ça. J'ai fini de préparer le petit déjeuner. Moi-même, je suis KO. J'ai même pas faim. Je n'arrive même pas à manger. T'as même pas essayé? Mais j'ai pas faim déjà. C'est ça le problème. For so long, I was living my life. So wrong. Mais Nolan, ça c'est quoi ça? Yeah, Fredo. Nolan, tu peux t'asseoir? Donc, pour ma cuisine, c'est un peu ça. J'aurai le frigo à essuyer, faire le ménage. J'ai déjà sorti la championneuse pour nettoyer mon tapis demain. Et là, je dois nettoyer demain. Voilà, donc on se retrouve demain. Là, je fais un tour à Weimar pour chercher des fleurs. Je vais aller chercher ma mère ce soir à l'aéroport. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes bénis au Canada où on a la possibilité, les mamans et les parents viennent facilement. Donc, du coup, là, ma mère, elle arrive ce soir. Donc, là, je suis venue à Weimar pour prendre les fleurs. Voilà, pour l'arrivée de ma mère. Ça fait 15 ans que je n'ai pas vu ma mère, mes sisters. Je vous assure que... quand j'avais laissé ma mère, elle travaillait encore, elle était en forme. Et là, y a un vent qui a soufflé, elle n'était pas bien, vraiment. Elle a perdu pas mal de ses frères, de la famille, vraiment. Elle était vraiment abattue. Et elle a commencé vraiment à avoir des problèmes de santé qui commençaient vraiment à me faire peur. Mais bon, je sais que le Seigneur, il est au-dessus de tout. Du coup, là, je suis vraiment contente encore de voir ma mère. Pendant toutes ces années, il ne voulait pas que je repars au pays. Mais bon,
Là, elle arrive. Je suis tellement contente. Donc, j'ai pris des fleurs pour son arrivée. Voilà. Et je vais continuer. Là, je cherchais en fait quelques affaires qui manquaient. Et voilà. Là, nous sommes prêtes. Direction. L'aéroport. Direction. L'aéroport. Vous êtes prêts? Oui. On va récupérer ta maman. Vous êtes content? Grand-mère. On va récupérer grand-mère. Vous êtes content? Oui. Je pense qu'elle va être énervée vu que ça fait quand même longtemps. Non. Là, non. Elle va arriver le temps qu'elle sort, le temps de passer à la douane et tout. On n'est pas en retard, donc ça va. En plus, on est à 30 minutes de l'aéroport. Donc, let's go. Ouais, non, ça va aller. Let's go. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Voilà. Maintenant, il faut chercher le parking. Eh bien, c'est mieux qu'on aille en haut. Hein. Le parking en haut, là. Après, on va prendre l'ascenseur pour descendre. Qui avait ramené ma mère? Oui. On va descendre, puis papa va aller chercher le parking. Regardez la voiture, on va descendre. Hello, ma famille, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous arrivez même à m'entendre là? Là, je suis à l'aéroport, mes sisters. Je suis venue chercher ma mère. Ça fait 15 ans que je n'ai pas vu ma mère. Donc, imaginez mes sisters. Donc là, nous voilà avec mon fleur. Trop contente. Voilà, donc là, je l'attends. Elle est déjà arrivée. Son vol a déjà atterri. Donc là, je l'attends. Hein, ça fait du bien. Mais si t'as la joie de ça. Non, non. Tiens, le téléphone, mais ça a bien qui est venu, quoi. Avec les coups poussés. Véline, Marie, ou quoi? Voilà, mes sisters, maman, elle est bien arrivée. J'étais vraiment surprise de voir que maman, elle est là, elle est devenue comme ça. Voilà, donc je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour sa vie. Voilà, et dans quelques jours, vraiment, elle avait fêté ses 72 ans, mes sisters. Donc, ma mère, elle a 72 ans, je suis la dernière fille de ma mère, voilà, elle a 5 enfants, 4 filles et un garçon. Et le Seigneur l'a bénie, vraiment, je rends grâce pour ma mère. Elle a eu ses 72 ans. Et donc, c'est par ici que la vidéo va terminer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai passé un très bon moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye!